Stalin utilisait les éléphants dressés dans leurs armées. Troupes de choc quand les hommes les y obligent, les éléphants sont naturellement paisibles. Aussi, les Belges ont établi au Congo des camps de domestication. Imitant les Romains et les Hindous, le gouvernement a fait farmer par des Européens un corps de spécialistes indigènes, vivant à la station de Gangala Nabodio, dans le seul but de capturer et de domestiquer les pachydermes. Contrairement à la girafe, décorative mais peu intelligente, qui partage avec lui les savanes du nord-est congolais, l'éléphant est très utile à l'homme. Puissant mais raisonnable, c'est un bon gros. Non seulement il supporte la captivité, mais s'en accommode fort bien. Il porte lui-même sa ration de fourrage et la ramène au camp chaque soir. Est-il pensionnaire plus commode? Il est vrai que ceux-ci sont des anciens de la maison, promus au rang de moniteurs. Parmi les éléphants, ce sont des gradés, et ils ont l'air conscients de leur dignité. Ils entretiennent avec leur cornac les meilleures relations du monde. N'ont-ils pas l'air de se comprendre parfaitement? Mais non, mademoiselle, ce n'est pas de vous qu'on parle. Allons, n'insistez pas. Et sortez du champ, s'il vous plaît. Voilà, merci. Que disions-nous? Que les éléphants sont de parfaits pensionnaires. Il ne faut même pas les bousculer pour les mener au bain, où ils vont tous les jours faire une toilette approfondie. Ces grosses bêtes adorent l'eau, et même à l'état sauvage, ne passent aucun jour sans aller à la rivière. Il est vrai que le cours d'eau leur sert aussi de barre. Ils se plongent dans leur baignoire naturelle avec une véritable volupté. Les cornacs, bien gentiment, leur brossent le dos. La démarche de l'éléphant est harmonieuse malgré son poids qui peut atteindre 3 ou 4 000 kilos. Sa force est grande. Mais il est capable aussi des mouvements les plus délicats, particulièrement avec sa trompe. Grâce à l'appendice qui la termine comme un doigt, il peut saisir les plus petits objets, cueillir la moindre feuille. L'éléphant est bon et patient envers celui qui le traite bien. Il se laisse docilement enchaîner pour la nuit. Et pourtant, ça bouscule ses habitudes, car à l'état sauvage, c'est la nuit surtout qu'il circule, tandis qu'il se repose volontiers à l'ombre durant les heures chaudes du jour. Ici, plus de vagabondage. Nous sommes militarisés. C'est la trompette qui sonne l'heure des repas. Comment arrive-t-on à domestiquer les éléphants? Nous allons le voir. Chaque année, a lieu une grande campagne de capture. Voici l'une des colonnes qui se met en route. Elle est composée d'une équipe de 16 chasseurs, plus les cornacs qui mènent les éléphants moniteurs. Le matériel de campement et de cuisine est transporté en chariot, de même que les cordes et les câbles nécessaires aux captures. La caravane, tantôt suivant les pistes, tantôt piquant droit dans la brousse, se dirige vers la région où des troupeaux ont été signalés. Une marche rendue parfois pénible par la chaleur, le point fixé est atteint. On
campera au bord d'une rivière, au milieu du pays des éléphants. Hommes et bêtes ont déposé leur charge avec plaisir. Dès que les tentes sont dressées, le chef de l'expédition décide l'envoi d'une patrouille qui va relever les traces de manière précise. Quelques heures plus tard, la patrouille rentre. Un homme vient au rapport. Les éléphants sont repérés. Et c'est le branle-bas de départ. Clairement marqué par les brisées et par les fumées très caractéristiques. La méthode utilisée est pareille à celle que les hindous pratiquent depuis des siècles. Il s'agira d'effrayer les éléphants, de disperser le troupeau, d'isoler les jeunes et de prendre ceux-ci au lasso par les pattes. C'est une opération très spectaculaire. Nous voici à la vue du troupeau. Et les armes chargées pour le cas où l'on aurait à se défendre, et aussi pour tirer des salves en l'air afin d'effrayer le troupeau. Les hommes se déploient de manière à cerner les animaux, et tout à coup s'élancent. Hurlant, tirant des coups de feu, les chasseurs foncent droit vers le troupeau. Les éléphants saisis par la soudaineté de cette attaque n'essaient même pas de faire front. Ils fuient en désordre et dans leur confusion abandonnent les jeunes éléphants qui ne sont pas assez habiles pour les suivre. Dès lors, les jeunes sont harcelés jusqu'au moment où ils seront affolés et fatigués. Et c'est ici que le courage et l'adresse des chasseurs font merveille. Vous allez voir, dans quelques instants, celui-ci sera pris. Suivez bien l'indigène qui est le plus près des pattes postérieures de l'animal. Il guette le moment de nouer la corde autour des pattes. Ça y est ? Non, pas encore. Attention ! Là ! Aussitôt, l'autre extrémité de la corde est fixée à un tronc d'arbre. L'animal est surpris et s'arrête. Il s'agit d'un fragile, il aurait vite fait de casser la corde ou d'emporter l'arbre. Mais on le harcèle de tous les côtés. On le distrait, tandis que d'autres hommes lui passent de nouveaux liens. L'éléphant, exténué, semble abandonner la lutte.
bien chanté le Lombo, épopée d'origine asiatique, qui célèbre la victoire de l'homme et doit apaiser la bête et la mettre à merci. Et enfin, voici le moment de faire intervenir les éléphants moniteurs. Deux moniteurs, placés de part et d'autre du nouveau captif, le soutenant et le poussant, vont l'emmener, de gré ou de force, malgré ses protestations. Il sera lié à l'un d'eux et solidement. C'est nécessaire, comme on va le voir. Le petit éléphant sauvage fait mine de ne pas comprendre ce qu'on lui veut, puis s'habitue, dirait-on, et admet sa faiblesse. Il suit docilement le moniteur auquel il est lié. Ah, mais non, une nouvelle révolte le secoue. Le second moniteur vient aider le premier. Admirer l'intelligence de ces animaux qui savent utiliser leur force seulement quand il le faut. À la station, le dressage commence. Les éléphants moniteurs y ont autant de part que les cornacs. Les éléphantaux sont accoutumés d'abord au rythme de leur vie nouvelle. Tous les soirs, ils vont au bain, mais toujours liés, chacun à son moniteur. Lentement le jeune éléphant à la présence de l'homme. Le cornac le brosse, le soigne, le nourrit. Bientôt, il lui apprend à se baisser au commandement. Le cornac monte sur son dos. Une friandise récompense l'effort accompli. Il suffit de quelques mois, et dès lors, il met toute son intelligence réellement très vive. Et toute sa force qui est considérable au service de l'homme. Il l'aide à défricher la brousse, à déraciner les arbres, à traîner la charrue, à porter des charges. D'autres éléphants connaîtront un destin plus extraordinaire. Après avoir traversé tout le Congo, ils seront un jour embarqués à Matadi pour aller en Europe ou en Amérique faire la joie des enfants et le bonheur des naturalistes dans les jardins zoologiques. Les premières captures
culture d'éléphants congolais remonte à plus d'un demi-siècle. C'est en 1899 que le roi Léopold II demanda au commandant La Plume de créer la première station de domestication. 50 ans plus tard, le gouverneur général du Congo visite le camp actuellement installé à Arou. Il y a 50 ans, l'éléphant était en voie de disparition. On en faisait un véritable carnage pour le commerce de l'ivoire. Actuellement, l'éléphant congolais ne peut être chassé que dans certaines conditions, et grâce aux stations de capture, il devient un animal domestique. Le gouvernement belge n'a pas oublié la part qui revient dans ce domaine au courage des traqueurs et des chasseurs congolais.